You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Avec la GSL Sciences Profondes, ce n'est pas fini, donc ce n'est pas fini. Oh mon Dieu! Et apprenez également que l'eau est mouillée et le feu ça brûle. Oh mon Dieu! GSL. Dans le prochain épisode, l'électricité alimente les lampes. Oh mon Dieu! Mais bien sûr. Ça pourrait être des lampes à fioul. Là, oui, c'est vrai. Voilà. Eh oui. Alors, tous les gars, là, je vais effectivement et je voulais lancer un petit shout out à That Guy Moo. Qui est un viewer danois et qui vient de dire qu'il allait rester pendant une heure et voir s'il pouvait apprendre some French. So thank you, That Guy Moo, for staying with us, and thank I you. Hope you'll enjoy the broadcast. Est-ce qu'il pourrait pas nous apprendre un mot en danois? And if you can teach us a word of Danish, like to say that. Déjà, je vais paraître pour un gros débile, mais est-ce qu'il y a une langue au Danemark, genre spécialement le danois? Non mais je sais pas. Truc con, tu vois. Excuse-moi, t'es quel? Bon, elle est toujours là. Ça. Mais Yogo! Mais. Wallet! J'en sais rien, tu sais, il y a plein de pays où en fait ils mixent leur langue et tout ça. Donc après, je suis perdu, tu vois. Regarde les Suisses, tu vois. Parle flamand, parle français, ça parle. Moi, c'est... Flamand en Suisse? Non, c'est pas flamand, mais je confonds, bref. Je suis perdu. Bon, passe. Je pas suis tellement que... triste. Oh mon Dieu. Waouh. Toi aussi t'essayes de fixer ton rythme de sommeil ou... C'est exactement ça. Voilà, je n'ai que très peu dormi cette nuit. Mais toi, j'ai l'impression que tu dors jamais en fait. C'est un peu ça en fait. Voilà. C'est ça son secret. Il ne dort jamais. Je ne dors jamais. Une sorte de Hulk du sommeil. Je n'ai jamais arrêté d'être en colère. Je n'ai jamais dormi. En tous les cas, Hot Six, bien sûr, qui est le main sponsor de la GSL. Oui. Une boisson qui apparemment a un goût très proche du Red Bull et qui est produit par Lotte. Du coup, une boîte qui est très similaire à Evian en Corée. Ils font de l'eau, essentiellement, et voilà. Des boissons. Voilà, des boissons énergisantes, bien sûr, pour plus de pouvoir, pour plus de skill, pour plus de swag dans le game. Et là, nous avons donc Bunny pour Dust Gaming. Et c'est un t-shirt Dust Gaming qui est là ou genre rien à voir? J'ai du mal avec le logo en fait qu'ils ont. Dust Gaming. Et du coup, Dust Gaimu qui nous donne un mot danois et qui est Imponeret, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je pense. Je prends des risques. Mais tu. Yogo, la vie, c'est aussi ça. C'est prendre des risques. Faire des choix qui ont des conséquences, Yogo. Oui. Et les assumer derrière. C'est ça. Ce n'est pas figé dans son lit. Tu vois, typiquement, Ellie. Bonjour. Voilà. Il prend des risques à venir casser du StarCraft 2 en non, se on disant. A surtout pris des risques à le recruter au gaming. Mais bonsoir, Ellie. Alright, Maru contre Bunny, un TVT du coup qui va pouvoir se lancer. C'est ça, changement de match-up. Dans tous les cas, il va falloir y être habitué. Le TVT dans ce groupe-là, il va y en avoir pas moins de 2, 3, 4, quoi qu'il arrive. J'ai pas envie de refaire des maths parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. Mais voilà, ça va nous changer de cette série assez énorme qu'on a eue avec SOS qui juste fait n'importe quoi. Enfin, je sais pas s'il fait n'importe quoi ou si ces games ont tendance à tomber dans le what the fuck. Est-ce que c'est lui qui crée ces situations ou est-ce que juste il a un don pour ça? Est-ce que finalement c'est pas sa présence qui, telle l'énergie d'un personnage de manga, déstabilise les personnes quand ils rentrent dans la scène? Oui. Tu vois, l'écran se floute un peu. Mais plus que de déstabiliser l'adversaire, lui se déstabilise lui-même aussi en même temps. Quoi. Tu vois, certes. C'est pas comme s'il était un rock. C'est parfois le facteur de certains personnages très puissants, tu vois. Ils sont tellement puissants qu'ils contrôlent pas leur délire. Ah. Et du coup, tu sais, ils sont un peu pétés du brain. Manière dans les mangas, tu le sais directement. Quand le mec est un peu. Control myself. Quand le mec est un petit peu fou, même s'il fait rien pendant les 45 premiers épisodes du manga, tu sais que dans le fond, en fait, le mec est super fort. Mais. Qu'il cache bien son jeu. Le regard. Enfin, pas si bien que ça parce que tu le sais, mais. Oui, mais bon. On fait semblant de pas savoir, tu vois. C'est comme toute série.
Bref, on arrive sur du TVT. Bunny qui donc avait fini premier de son groupe, c'est le groupe A, donc c'est le dernier qu'on avait cassé, mais c'est le premier qui avait été joué. On avait mis du temps avant d'acquérir les droits de la GSL, mais maintenant c'est bon. Et ouais, premier de son groupe, j'ai peu de souvenirs en fait de son match contre Zest, mais je sais contre Rock c'était un carnage. Ouais. Donc Bunny, voilà, premier de son groupe, qui était déjà avec Keane. Je crois me souvenir du match contre Zest, et c'était, je crois que c'était Zest qui expérimentait avec son build Rush Colosse. Ouais, le double up là. Comment ? Le double up Colosse. Ouais, le double up Colosse, mais en ouverture robot avant qu'on s'écrit plus. Mmh. Et robot B avant qu'on s'écrit plus. Ah, si, si. Et il s'était fait bourrer, si c'était bien ça. D'ailleurs, on a Zeir qui est avec nous. Est-ce que tu te souviens des build order ? Non, pas du tout. T'es la vieille colle. Est-ce qu'à 5 minutes, il a posé son crépus ou à 5-10 ? Réponse. Non, mais tu sais, en off et tout, Zeir fait ouais, et du coup, bah, c'est moi qui fais souvent les papiers pour la GSL. Du coup, j'ai un petit peu révisé. Un petit peu, tu vois, sans prétention. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, bah, j'ai testé le truc et ça a été un échec. Allez. Du coup, tu noteras Zeir, hein, c'est pas la peine de revenir. Hein. D'ailleurs, en parlant de build order. Comment ? Donc, encore une fois, Zeir, ça sera pas la peine de revenir. Si c'est en plus pour me dire que j'avais tort, c'est vraiment pas la peine. Voilà, du coup, en bas à droite, en terrain bleu, anciennement CJ, maintenant Dust Gaming, c'est. Dust Gaming, Bunny. Bon, ça là, Yogo essaye de régler sa chaise. Ouais, il est complètement fucked up. Voilà, c'est plus que droit quand même, j'ai l'impression que je vais juste m'effondrer. Sur la chaise de cast. Oh, à gauche! Air Green Wings, Maru! 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 Maru qui était comme en finale des WEG. C'est vrai! Il avait été vaincu par le grand TY sur une dernière game qui n'avait elle aussi pas trop de sens. C'est vrai? En parlant des games bien what the fuck. C'est vrai. Mais il veut du Hey, tu es Air Green Wings! Green Wings! Ouais, je peux encore supporter une équipe. C'est la dernière. C'est un peu l'idée. Bah, c'est la dernière équipe de Kespa. Coréano-coréenne, tu vois? Ouais. Maintenant, et encore même de la Kespa, non, la Kespa a cessé toutes ses activités sur SLE. Donc voilà. Ouais. En tant que tel, y a, c'est juste la seule équipe qui a de l'argent en fait. C'est ce qui, et d'ailleurs, c'est. J'y vais un peu, mais c'est un peu le même sujet. Genre, j'ai vu Leifeng Kin. Purée. Oui. Et je me dis, mais les Chinois ils sont où là ? Bordel de nouilles ! Leur tournoi, les Douyou, les Feng, machin, vidéo. Oui. C'est vrai qu'ils ont disparu. Ça fait deux mois là qu'il n'y en a plus. Et même, les Panda TV Cup. Mais oui, on m'avait vendu l'excuse du. Comment dire ? Du. Ouais, nouvel an chinois, ils ont besoin de 3 semaines pour s'en remettre, donc c'est normal. Je fais bon. En février. Mais le nouvel an chinois c'était pas il y a 2 semaines ? Si. Bah, t'a dit 3 semaines. Ah là ! Yogo, on te dit les choses ? Et toi directement tu exiges comme ça tu tapes du poing sur la table. On t'a précisé avant, tu vois. Voilà, il faut que tu sois plus à l'écoute, Hugo. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'Akane fait dormir sur le canapé, c'est parce que t'écoutes pas. Ma timeline est perdue, c'est tout. Pour moi déjà c'était déjà il y a 3 semaines quand le temps passe trop vite. Pour moi, c'était même l'année dernière. Bah, le nouvel an cette année. I'm so lost. C'est ça. Bon, en tout cas dans cette game, on a quoi ? Un petit Reaper Expo du côté de chez Maru et Bunny. Non. Si, il y a le Reaper. Ok. Et j'ai eu un moment de doute, moment de panique. De toute façon, il suffit de regarder les timings. Dans la barre, on avait la même chose. On n'a pas eu de Gaspers, pas de rush vers le tech où tu débloques assez régulièrement soit un cyclone, soit un corbeau, où tu fais des petites bagnoles et puis tu essaies de monter une rampe. On fait des trucs. C'est ça, tu fais des trucs et il y a un peu les deux écoles quoi, les joueurs qui vont ouvrir systématiquement Gas First, ceux qui vont prendre le Reaper Expand. Le Reaper Expand semble être le meilleur build order, un peu quoi qu'il arrive, mais faut être sûr genre de tenir tout et n'importe quoi, ce qui est délicat. Et ce qui est pas du coup forcément un exemple à prendre pour vous, hein, bien sûr pour votre ladder au quotidien. Là, le fait est que les joueurs coréens se connaissent mieux que jamais. Parce que le ladder, c'est quasiment la seule forme de practice qu'ils ont, en dehors du fait de vraiment dire à un pote, ouais voilà, viens, on se fait 20 CG et on practice. Mais vu qu'ils streament tous, il y a une chance sur deux pour qu'un des deux joueurs qui practice soit en train de streamer les games de practice, donc ils peuvent obtenir les informations. Donc les joueurs se connaissent énormément et du coup peuvent faire des stratégies en se basant sur la connaissance qu'ils ont du joueur. Vous dans votre ladder, si vous faites systématiquement Reaper Expand, vous allez perdre pas mal de games, je pense. Vous allez faire bourrer. Voilà ça. Parce que vous êtes incompétent. Parce que vous êtes nul. Non mais je suis. C'est qu'un cheese qui arrive hein, et. Bah c'est ça, hein. Une game sur deux déjà. Enfin tant que vous n'avez pas passé le niveau master, je pense qu'une game sur deux, un mec vous fait un triple proxy rack Reaper. Parce que c'est le truc le plus efficace qui existe. Beaucoup plus facile à faire qu'à contrer. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs.
future chaîne YouTube, premier tuto, un petit pool 12 Ravager. Hein. Gros build de biatch qui sera présenté. Et ça, ça fait plaisir. Voilà, et je l'ai fait en ladder tout à l'heure. Ah bah, pff, le mec n'a pas tué une unité. C'est bien. Voilà, voilà, les build order. Ouais, je vais se lire. Pour un casse francophone sans un mot d'anglais ce soir. Ou allez, on peut essayer. J'allais dire, on peut try. voilà. Mais on peut essayer sur cette. Non, mais on, vas-y, go. On peut. On... La GSL de la poutrance, Janini. Non, moi ce que je propose, c'est qu'on en fasse une soirée à thème. Tu vois, un soir on a rien, on se fait une soirée genre show match à la con où on caste purement en français. Ouais, et ça c'est dur. Et genre show match de sub, tu vois. Show match de sub et on casse tout en français. Et puis regarde, je vous claque à chaque fois qu'il y en a qui fail ici, attention. Exactement. Pour l'instant, la micro c'est la réussite. Oh là là, oh là là, oh là là, on DPS énormément avec le cyclone, mais il reste 3 marines. Donc on ne peut pas débarquer les deux petites. Je sais pas si des voitures, des fourgons, des tanks. Des cyclones, ça s'appelle. Ouais, ouais. J'ai essayé de. Ouais, de trouver un nom. Un ressemblant, mais en fait ça ressemble pas à grand chose. Non. C'est vrai que c'est une... C'est une tourelle lance-missile avec des chenilles, mais ça va vite, beaucoup plus vite qu'un tank. Donc c'est un buggy. C'est un peu un buggy. Mais un buggy vénère, hein, parce que les buggy. Attends, c'est pas des chenilles, c'est des roues, donc c'est un buggy. C'est ça. Ah, mais pas des chenilles. Donc c'est... Ouais, mais un buggy vénère, enfin. Un buggy, un tourelle buggy. Une buggy tourelle. Parce que le buggy, c'était quand même un truc un peu rapide, pas désigné pour faire beaucoup de dégâts, tu vois, ouais. Plus pour l'exploration, évidemment, le scout, évidemment. Réellement. Là, c'est vénère comme buggy, tu vois. Ah bah, c'est un buggy. C'est un buggy qui est allé à la salle, quoi. Il a poussé de la fonte, le buggy, ici. C'est ça. Il a suivi le programme de Coca, d'Indéry pendant un an. Voilà. 5 jours à la salle par semaine. Voilà, 4 jours à la montagne, clavicule déboîtée. Exactement. C'est retour à la case départ. C'est terminé. Voilà. Ouais. Où il va revenir, tu sais, de ces 3 semaines de convalescence avec des cuisses de porc. Ouais, moi je suis les cuisses du coup. Bah, du coup, j'ai fait tous les leg days que j'avais en retard. Ah ouais. Du coup, okay. Je vais me mettre au cyclisme. Oh, le cyclone qui a quand même été chopé ici par la tourelle. Une opération assez cool quand même, hein, de la part de Bunny qui essaye vraiment de rendre un petit peu une partie de la monnaie de sa pièce à son adversaire. Pour l'instant, on reste derrière au niveau de l'économie. Ouais, mais c'est ça, c'est l'économie un petit peu derrière du côté de chez Bunny. Mais franchement, ça a l'air d'être sensiblement similaire cette game. 2 tanks face à 3, 12 marines face à 6. C'est pas encore significatif. Avec ça, dans tous les cas, tu vas pas traverser la carte et lancer un push qui pourrait faire valoir le fait que tu as doublé le nombre d'unités. Et en fait, on a perdu un des corbeaux, non? C'est vrai qu'il y en avait deux, je me disais ça va être un investissement qui peut être énorme pour la suite de la game. Il y en avait effectivement deux. Ouais. Le mec qui a deux corbeaux et qui a ne serait-ce qu'un viking de plus, tout de suite tu te sens safe. C'est ça, ne serait-ce qu'avec le nombre de PDD que tu vas pouvoir balancer, mais aussi les tourelles, voilà, les missiles à terre chercheuses. Bref, tu t'amuses, hein. Finalement le corbeau c'est un petit peu l'oracle du terrain. C'est la nouvelle unité shift click, en fait. C'est la nouvelle unité pas très compliquée à utiliser qui fait beaucoup de dégâts. C'est le truc qui me rend le plus salé en ce moment sur le ladder. C'est pas bullshit, mais en termes la relation entre APM et réussite, c'est enfin n'importe quel newbie peut le faire, quoi. Tu sais, shift click, et c'est surtout que contrairement à l'oracle, il y a pas des ralentissements ou des virages chelous, tu vois. C'est une unité qui est très facile à micro-gérer dans l'ensemble. Bah, ou tu vois le bon, c'est à l'instar de l'ensemble de la race. Le CG, hein, des CG, tu vois, mais genre assez régulièrement parce qu'il y a les builds, faut qu'il tape non-stop. Le truc là, c'est toutes les je sais pas combien de temps il récupère 50 d'énergie, mais on va dire toutes les 30 secondes, tu fais un shift click et il te tue 4 drones minimum, quoi. What the fuck. C'est juste frustrant, en fait, voilà. Il a fait son shift click, il a tué. Il a tué les workers. Mais il a déjà 10 kills, hein, ce corbeau, mine de rien. Mais c'est bien d'avoir 10 kills sur ton corbeau. Pendant ce temps-là, t'as une armée avec 5 tanks devant ta. Enfin, 3 tanks, pardon, devant ta base. Bon, ça t'empêche de prendre B3. T'es pas non plus dans une bonne situation pour Bunny. Bah, surtout qu'en fait, il était un petit peu en retard niveau population. Il continue d'harceler, mais ça pop qu'il met en harcèlement. Et ça fait autant de troupes en moins pour défendre. Donc le cumul des deux est pas terrible. Bunny, please. Boost. Y a tes coups d'assaï. Non, y a pas. Oh, dégagez, j'ai pas vu. Parce que tu peux pas te parler avec un PDD. Non, si, tu peux mettre un PDD, mais bon. Il a pas les 50 d'énergie. Oh la vache. En fait, s'il avait continué à fuir, il aurait mis un PDD, il serait sorti. Il s'en serait sorti. J'avoue. Mais bon, il avait autre chose à foutre, visiblement. Les 5 tanks devant chez lui, c'est. Allez, voilà. Ici, le libérateur qui pourrait permettre de faire forcer le siège à bouger de là. Effectivement, c'est fait. Les tanks qui sont reculés et qui vont permettre aux tanks de Bunny de descendre. Pour l'instant, quand même, Bunny, qui, même s'il a eu un gros investissement au début de game avec ce double Raven, je trouve joue
très 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 bien sa game. Ouais ouais. Ben, en fait, il s'en sort bien avec le contrôle aérien. Maintenant, ça veut dire qu'il n'a aucunement la possibilité de sortir. Ouais, ben si là il arrive à forcer un Maru qui a 32 populations d'avance de force, enfin s'il force à dessiéger, c'est qu'en fait il y a un endroit où ça coince, et sur le nombre de marines, il y en a quand même 10 de moins. Bah si tu sors sur la carte, tu te fais 6 rolls et tu dégages quoi. Maintenant il y en a 10 de moins, mais il y a une avance sur le plus de défense hein, du côté de Bunny. Ce qui pourrait être significatif parce que. Mais il n'y a pas le shield. Je veux dire, si tu te sens un peu derrière au niveau upgrade et tout, enfin si tu te sens un peu derrière dans la game de manière générale. Bah tu restes chez toi, t'attends ton 2-2, t'attends ton shield et tu prends une fight à 2-2, mais là peut-être que Maru va pas vouloir lui laisser le choix. Il y a beaucoup quand même. Bah de toute façon, est-ce qu'il fait... Là tu peux... Oh lol, oh lol. Ouais. Mais merde. Mais ça c'est Maru. Voilà, bonsoir, je m'appelle Maru. Qu'est-ce que tu fais, il y a des vikings. Le full drop visé dans la base de son adversaire, tous les tanks qui vont se mettre en position simultanée. Est-ce qu'on peut faire la différence du côté de Maru? Les tanks qui se sont posés, est-ce que c'était pas une erreur de la part du joueur Giner qui perd toutes ses unités? Il s'appelle Maru, mais c'est pour ça qu'on l'aime, mais des fois qu'on ne comprend pas en fait ce qu'il fait. Parce que là c'est vraiment sous son nez. L'amour n'a pas besoin d'être compris, Yoko. Oui, oui, mais là foncer tête baissée comme ça, je... Non, Bunny c'est... Bunny a refusé. Encore une fois, c'est pour ça que tu dors sur le canapé avec Akane. Quoi? J'ai déjà fait la vanne tout à l'heure, mais t'as pas réagi. Ouais, bah cette fight qui a été compliquée pour Maru, on a perdu beaucoup de temps en fait dans cette histoire. Donc ouais, on a une armée qui est pas si loin derrière en termes de supply, mais ouais. Enfin elle vaut tellement moins parce que c'est que des marines. Alors oui, bon, il y a aussi des vikings, mais limite on s'en fout quoi. Non mais il a donné de ouf dans cette game. Un tank face à 8. Maru qui... Maru c'est l'inverse même de TY. Je sais pas si tu te souviens de ce groupe de GSL ou TY. Systématiquement le TVT c'est quoi? C'est je reste chez moi, sur 3 bases, je fais 200 de pop. Et quand j'ai 200 de pop, je sors. Ouais. Et pas avant. Je ne fais rien tant que je n'ai pas 200 de pop. Et en l'espace de 2 minutes avec sa population, gros outplay sur live, il lui met un 2-0. Non clairement. Là Maru c'est... Ouais, j'ai 10 de pop d'avance, on va faire un doom drop, hein, c'est un ça. Tour de détection, t'es en place avec tes vikings. Attends, on y va. J'ai un tank de plus que toi. 10 de pop d'avance, mec. Bah j'ai doom drop. Mais ça me paraît évident, c'est la meilleure solution. Bon, sachant que quand j'ai doom drop, je vais me retrouver avec finalement 20 populations de moins sur le terrain parce que le mec a touché lui, pas moi, mais j'ai 10 de pop d'avance, mec. Du coup ça va forcément faire la différence. Et ici le 2-2 qui va se terminer hein, du côté du bon Bunny, alors que le 2 de défense a encore une petite distance, une bonne trentaine de secondes ici avant de se terminer du côté de Marus. Et... Là c'est un pont, il y a quand même un pont qui va se créer, donc c'est un peu plus complexe que Maru avait lancé tout à l'heure. Ouais. Les libérateurs qui sont en ciel, mais là tous les tanks qui sont en ciel aussi, du coup qui sont en train de massacrer les marines de Maru qui vont finalement nettoyer le débarquement qui avait été fait, mais pendant ce temps là ils se font pilonner de l'autre côté de la falaise. Et bah une nouvelle fois on s'est un peu planté en fait sur le Doom Drop. Je pense que c'était pas la meilleure opération à faire. Mais aucun des deux joueurs n'a envie de jouer une game avec 200 de pop. Est-ce que c'est en mode bon. Est-ce que c'est pas plutôt aucun des deux joueurs n'a envie de gagner? Peut-être. Ils sont là pour le show. Et voilà, est-ce qu'on a envisagé ce scénario où les joueurs ils ont juste envie de jouer aux jeux vidéo pour s'amuser avec leurs copains? Peut-être. Et oui, peut-être. Je pense que plus rationnellement, en fait, on avait le 2 du côté de chez Bunny et du coup, on s'est dit. Ouais, non, je pense effectivement que c'est ça la vraie explication. Oh, ici, cependant, les libérateurs qui ont été mis en mode siège et qui vont permettre de nettoyer les tanks qui sont encore en place. Les marines, eux, avaient déjà été nettoyés grâce à une égalisation au niveau des upgrades. Les marines, une nouvelle fois, qui rentrent en contact, mais le libérateur qui apporte un soutien non négligeable à cette armée au sol. Et on va devoir se replier du côté de Bunny qui a oublié de dessiège son tank. Il a voulu back pour le récupérer et il a réalisé qu'il avait oublié de dessiège. Oh, la déception. Bon, bah, la catastrophe, hein. Mais tu comprends tout de suite que en fait le Doom Drop c'est vraiment le truc qui peut te faire gagner une game, mais qui peut te la faire tout autant si le mec s'y attend et que les joueurs vont pas chercher à faire des petites escarmouches, à lancer un siège un peu hasardeux. Ils savent que si tente un truc un peu trop faible, en fait l'autre il va prendre la moitié de sa pop et il va lancer lui le Doom Drop, donc autant être le premier à le lancer. Mais là c'est de manière assez déraisonnable que les joueurs s'y tentent. Le Viking qui ont quand même été attrapé ici, c'est une bonne opération pour Bunny qui derrière est en train de prendre un lead massif sur son 3-3. Non, c'est chaud. Hein. Le Bunny qui saute dans les hautes herbes, prêt à saisir son adversaire à la glotte, lui ouvrir la jugulaire à coups de toutes petites dents acérées. Et là, Maru qui est en mode bon, ben on va all-in quoi. Bah, coup, upgrade, j'attends mon 2 d'attaque PK, bah, c'est parti. J'ai 20 pop de plus. Bah, je all-in. J'ai 2 pop. Mais c'est pas comme ça que ça marche, Maru. Pourquoi tu fais pas pareil que les autres? Pourquoi t'es si différent? Maru, sinon j'aurais pas de personnalité. C'est pas faux. Et t'es en train de dire que T.Y. il a pas de personnalité? Non. Bravo Yogo, bravo. Ça c'est de la discrimination. C'est comme ça que ça s'appelle, monsieur.
Ta discrimination. Lui, c'est un goodie avec du skill de 100 pommes, je sors. Ok. Bon là, attention les barils, ils vont loin, ils vont. Oh là 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 là, ils sortaient de la range de ces tanks. Là, on s'est remis en position du côté de Bunny. On veut temporiser le 3-3, mais je pense pas qu'on puisse réellement attendre aussi longtemps que ça. Ils sont tellement loin, ces upgrades, quasiment une minute complète d'attente. Ouais, non, bah on abandonne la position. Ouais. Hein. Bah, c'est le libérateur qui fout la merde en fait. Ouais, parce que c'est autant qu'il pouvait tenir la ligne, mais le libérateur, enfin, ces tanks a dessiégé. En plus, on a le plus d'attaques sur les tanks, justement. Est-ce qu'il peut pas prendre la. Franchement, il n'y avait pas toute l'armée, hein. Ouais, non, mais c'était l'idée où tu veux traverser la carte et tu claques 3 steams en fait pour la traverser et puis t'arrives sur place en mode. J'ai dit attention, ici la vague qui va se prendre, les tanks qui sont pas en mode siège. Mais oui, ils se sont mis en mode siège du côté de Maru sur la gauche et qui se mettent des gros pylons aux joueurs Terran bleu. Cependant, le joueur Terran bleu casse au 3-3 alors qu'on a que le 2-2 du côté des marines de Maru. Et ouais, le 3-3 qui fait une grosse différence ici. Maintenant, il faut voir aussi au niveau de l'économie. Hein. D'un côté, ça récolte à fond les ballons. De l'autre, on est simplement en train de passer en mode transhumance. On balance tous les civils à l'autre bout de la carte. Et la grosse problématique, c'est que 3-3, est-ce que ça se fait compenser par 32 pommes d'avance? Bah, peut-être bien. Surtout qu'on a le 2 d'attaque des tanks. Oh, le rush sur les tanks ici qui pourrait faire la différence. Les tanks de Bunny qui n'ont pas le plus d'attaque et qui se font rack ici par les marines de 2 de Maru. C'est chaud, le gros clean qui a été effectué. LOL! Et le tank qui est fait. Ok, déjà qu'il avait moins de population, son seul atout c'était vraiment les marines 3-3 et ça a échoué. Maru qui a même décalé sa B2 pour le en mettre fait, en B5. Là, il va lui mettre une claque de ouf. L'impression que j'ai de ce match en fait, c'est qu'on a un Bunny qui joue intelligemment, qui joue bien, avec des bonnes mécaniques, mais on a juste un Maru qui a trop d'expérience en fait. Ouais. Qui a trop d'expérience en comparaison au plus haut niveau et qui, dans un scénario improbable, se retrouve à pouvoir out macro son adversaire. Et s'il arrive avec ses 91 de pop, 2 upgrades de retard, certes, mais il n'en a rien à foutre. Il steam in, ses tanks sont tous en mode siège au milieu de la pampa et vont tout réceptionner. GG! J'ai l'impression que en fait, Maru se démerde un peu mieux dans le chaos. Ouais. Il va repositionner un peu plus vite ses unités, il va mieux macro, c'est le premier à déplacer les CC. En fait, il joue avec. Je vais pas dire un coup d'avance, parce qu'il a pas réellement un coup d'avance, mais c'est juste qu'il va plus vite un peu partout. Et bah tu vas te retrouver avec un Bunny qui fait pas forcément le bon call, un Bunny qui est à peine en position au moment où il pose sa B4, un Bunny qui repositionne, enfin qui refait pas ses points de ralliement suffisamment tôt, du coup il se fait intercepter de la pop. C'est sur plein de petits trucs que Maru prend de vitesse. Alors pour prendre de vitesse quelqu'un, faut initier la course, c'est pour ça que le mec il arrive 5 minutes de game, c'est parti Doom Drop. Ouais. Donc ça peut le jouer des tours, mais on voit le résultat final, c'est quand même une victoire, enfin je vais pas dire convaincante parce que c'était quand même rude. Mais victoire quand même. Victoire quand même, et c'est ça qui compte pour Maru. Non, mais effectivement, Maru, en fait, c'est un bordel organisé, tu vois. C'est un peu comme quand tu rentres dans la chambre d'un pote et que tu vois des trucs qui traînent partout par terre. Mais comment tu fais pour se retrouver? Non, mais en fait, je sais exactement où tout est. Ouais. Mais effectivement, si je rangeais mes racks dans l'ordre, si j'avais mes cycles qui étaient précis et tout, je ne m'y retrouverais plus, je serais perdu. Tu tuerais ma créativité. C'est exactement ça. Non, mais à partir et t'es pas mon père, Steven. Pardon. Moi, en fait, je retrouve pas mes affaires quand je les range. Parce qu'en fait, quand tu ranges tes affaires, en fait, faut se rappeler où tu les as foutues. Alors exactement. Quand tu les ranges pas, elles sont toujours à un moment donné dans ta journée à l'endroit où tu les vision. As laissées en dernier. De quoi aussi. À l'endroit où tu les as laissées en dernier aussi. Oui, aussi. Voilà. En bas à droite, en terrain bleu pour Dust Gaming. Dust Gaming, Bunny. Penny. Dust Bunny, possibly the greatest. Voilà, on a lancé, laissé tomber la jaquette. On a eu le petit tweet du patron peut-être. Et d'ailleurs big up à Dust Gaming qui a fait une vidéo justement teasing pour Bunny. Ils ont fait un truc mais ils ont fait une vidéo du coup pour Bunny puisque Bunny du coup participait au groupe D de la GSC qu'on est en train de caster en ce moment même et participera aux IEM Katowice. Du coup ils ont fait une vidéo pour deux sujets, c'est très grave, mais ils ont fait une fucking vidéo. Ouais. Ils ont fait un sujet pour leurs joueurs, ils sont allés chercher les broadcasts. Alors on peut parler du choix, des moments qu'ils ont pris, etc. Est-ce que c'était vraiment les bons, est-ce que c'était les meilleurs? Bref, mais peu importe, ils ont fait un contenu pour leurs joueurs, pour promouvoir leurs joueurs et le mettre en avant pour ses futures compétitions. Et je trouve que c'est un move qui devrait être fait par beaucoup plus d'équipes. Parce qu'en fait, il n'y en a quasiment pas qui le font. Mais si c'était fait par toutes les équipes, en vrai, ça te permet de connaître le joueur, de te hyper autour du joueur. Oui, complètement. Et puis de hyper les gens autour du joueur qui est censé être la vitrine de l'équipe. Exactement. Ça, c'est cool. La bonne initiative en tout cas, ouais, parlant d'IEM Katou, bon, pas encore annoncé officiellement, mais. Voilà. On devrait pas rater l'événement. 70 heures de StarCraft. En une semaine. À 3 casters. évidemment. Qui a dit que les 35 heures étaient une durée légale de travail? Mais on a l'air TTTKL.
Ah bon? Ah bah c'est pour continuer sur les probabilités. Tu n'as pas suivi. C'était ironique comme. Voilà. Mais on a les congés paternité. Tu veux te battre? Bah, moi j'ai rien dit hein. Tu viens de parler là pourtant. Ouais, peut-être que c'est moi tu vois qui vais être Ah peut-être. Mais non c'est non pas pistache. Vite on se. Avant que la rumeur ne se lance, voilà. Éteignons le feu. Exactement. Donc, ne lançons pas de fausses rumeurs. Oui, Yogo va bien avoir un enfant. Voilà. Mais ben, c'est, il faut le dire. Non. C'est pour bientôt. N'hésitez pas à lui envoyer des cadeaux dès lors d'ici déjà hein, pour fêter la fête du bébé, des dons sur son stream à Dr Yogo. Hein. N'hésitez pas. Par contre, les dons pas en dessous de 50 euros, c'est inadmissible. Et là, dans 30 comment secondes, est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il paye les couches? C'est ça. Et là, dans 30 voilà. secondes, je reçois SMS de la copine. Mute tes cas, s'il te plaît. Non, mais en live, je peux pas. Comment je fais? Grosse patate. Allez. Go Maru de la part de Voro. On dit le. Bon anniversaire. Maru, est-ce qu'il va gagner le duel? Il m'a mis sur Reaper, du coup c'est pas venu ta shot. Oh la outplay. Il n'a pas gagné le duel, mais il a gagné la guerre. Puisqu'il a pris le VCS et retarde énormément le CC de son adversaire. Déjà, il a un deuxième Reaper qui arrive ici. Et est-ce qu'il va. Il a le petit buggy avec la petite tourelle. Là, on parle d'un buggy. Ouais, mais l'autre c'est un buggy avec des plus grosses roues et une plus grosse tourelle. Mais c'est un buggy quand même. Non, mais c'est un buggy sous stéroïde le cyclone. Ouais, bien sûr. Là, c'est juste un buggy qui a appris à faire du crash de flamme à son stage d'été. Mais. On est quand même sur un buggy vénère là. Bah, bien sûr, mais ça en est. Hein. Moi je suis plus d'avis qu'on appelle ça. Vas-y. Un cyclone. J'attendais de la créativité. Là, ouais, mais je m'attendais aussi à de la créativité et j'ai réalisé qu'elle avait été entièrement détruite. Ça ne venait pas. Il y a des moments où t'es en mode. Parfois le manque de sommeil détruit la créativité. Hein. C'est une chose qui arrive, Hugo. Ou l'absence de neurones actifs. T'essayes d'insulter du quoi là? Et il y a le Reaper qui va quand même réussir à fuir ici. Tandis qu'on fait un corbeau du côté de Maru. Oui. Corbeau, deuxième corbeau d'ailleurs. Hein. Donc en fait, il. Bah, je vais pas dire qu'il copie ce qu'a fait Bunny à game précédent parce qu'il y a quand même eu le deuxième Reaper et le Hélion. Mais il prend quand même ce parti d'aller chercher le double corbeau qu'il n'avait pas pris à la partie précédente. Et donc c'est quoi le bilan? C'est un Reaper de chaque côté, deux SCV perdus pour Bunny, un seul pour Maru, mais on avait le build order le plus greedy en termes d'économie. Donc Bunny, chez Bunny, je pense qu'il se retrouve bien. Il y aura un corbeau de moins, mais en fait limite on s'en, enfin je vais pas dire qu'on s'en fout. On est obligé de faire des dommages du côté de chez Maru pour pouvoir compenser le retard éco qu'on a. C'est le but de son build order, hein, c'était mettre la pression. Est-ce qu'il a fait suffisamment de dommages? Au final je suis pas convaincu. Hein. Ça fait un bout de temps que les mules tournent sur cette seconde base. Ça se ressent pas encore au niveau de la pop. Est-ce que ça se ressent quelque part? Je sais pas. En tout cas, les deux. Pff. Oh la vache. Voilà. T'as l'ancienne, 4 minutes, 3ème base. Hop. C'est ça. Marine King Prime serait fier. Il serait très très fier. Ah, mais lui, il serait déjà terminé. Ou il serait lancé là, sur le slot. Oui. Oui. Ah, c'est pareil. Oui, je pense aussi. Hein, ça, je me souviendrai toujours de la finale de la première Numérique Cap Cup qu'on avait faite. Il y avait. La finale, c'est. 10 magas contre Marine King et Barry King bah, jouait que la grid et c'était CC First contre Pool 6 toutes les games. CC First contre Pool 6, CC First contre. Moi je me rappelle d'une et game. Les mecs ils insistaient, tu vois, le mec il voulait pas des morts de son CC First et l'autre du coup bah, il continuait à faire Pool 6, c'était juste complètement stupide. Il a quand même perdu le corbeau ici, c'est très très dommage, mais moi je me rappelle surtout d'une game de Marine King, je crois que c'était un Iron Squid sur Daybreak. Où il fait le CC First. Ah, ok, CC First, c'est cool, ou allez, comment il veut sortir de cette mélasse. Et après, il pose en 3ème CC directement avant un autre bâtiment. Et genre, il y a une espèce de flottement dans la salle de. Quoi? Mais est-ce qu'il est vraiment en train de faire ça? Pourquoi? C'était. Des thunes. C'était folklorique. En tous les cas, ici, les cyclones qui sont en train de tourner sur la map en train d'essayer de trouver des victimes, tout simplement. Tandis que Bunny, encore une fois, essaye de prendre le lead au niveau des upgrades. Hein, en allant balancer le plus 1 d'attaque très tôt. Maintenant, on l'a vu dans la game précédente, ça n'a pas été suffisant, donc il va vraiment lui falloir des meilleures prises de fight, de manière générale, s'il veut l'emporter. Ouais, c'est, bah, il va falloir être aussi peut-être plus solide sur la macro, plus solide sur les prises d'initiative quand il s'agit de, comment dire, bah, de prendre des bases, de les prendre rapidement, et de pas se retrouver en fait à court d'options quand les packs de minerais des trois premières sont épuisés. Je sens un espèce d'immense drame arriver.
Ouais, une sorte de pour qui, en fait perturbation dans la force. Voilà. Comme si des milliers de voix de VCS avaient hurlé. Là, les silences, puis c'était si éteint d'un coup. Oh là là. Le corbeau, le tank, la ligne de minerai qui ne mine pas. C'est pas si. Surprise, motherfucker. Ouais, sinon, c'est chiant quand même. Oh la mule. Fraîche. Oh là là. Il y a un moment que j'ai pas été convaincu jusqu'à la dernière tourelle. Qui, bon. Elle a fait mal. Ouais, non, elle clairement. Elle a fait très mal. Et ce qui est ouf en fait avec le corbeau, c'est que t'as plein de façons de le jouer du coup. Ouais. C'est soit tu mets un corbeau, enfin tu sais, une tourelle, tu peux avoir une tourelle et puis une autre tourelle avec deux corbeaux différents, tu peux attendre d'avoir deux tourelles, trois, genre quatre. Tu peux attendre d'en avoir six, en dépenser cinq, puis une sixième. Non mais t'as plusieurs façons de mixer avec la même unité en fonction du nombre d'énergie que t'as, tu peux faire des combos différents. Mm. Voilà. Comme n'importe quel jeu d'action, t'as ta jauge d'énergie et tu dispatches le power et tu fais des combinaisons différentes. Et le corbeau, c'est un peu ça à l'heure actuelle. Non, clairement. Et la question, c'est est-ce que Bunny, face à la puissance des corbeaux, mais surtout de l'armée hein, qui est en train de traverser la map, est-ce qu'il va avoir assez? Il est sur un front défensif et sur Abyssal Rift, bah, c'est-à-dire que tu étends énormément tes défenses et donc tu les rends potentiellement plus fragiles si tu n'es pas extrêmement réactif. Et là, on est en train de décaler le Medivac du mauvais côté. C'est ça, en fait, il va pouvoir faire un siège assez emmerdant, mais est-ce qu'il n'y a pas assez d'espace pour aller contre-attaquer là? Enfin, pour Bunny. C'est pour ça que le Cyclone et le Reaper sont en train de bien veiller. Parce que ça ne décompte pas quand on se fait complètement bait. Est-ce que ça va partir très bête? Non, on est en train de faire demi-tour du côté de chez Bunny. Là, on vient d'engager, on vient de siéger la B3 qui va se faire dégager. Ça va être une catastrophe là pour le joueur de gaming. Oh là, on attendait bien que le tank se mette en mode siège. On pourrait lâcher les deux voire trois tourelles qu'on a à disposition. Ok, on va dropper directement le KO qui est incité déjà de la part du disciple du KO Baru qui débarque directement dans la main de son adversaire avec des marines. Et on est en train de bourrer les corbeaux qui vont arriver et qui vont rajouter un DPS non négligeable sous la forme de ces tourelles. Et on pourrait même prendre à partie le réacteur ici qui est en train de prendre le feu. Non, le plus de l'attaque, le lead de Bunny en termes d'upgrade qui est deny, la B3 qui était deny. Et là. Et est-ce que tu peux pas assumer la position et gagner la game? Est-ce que tu mets pas un missile sur des tanks? Non. Mais il s'en va. Non, on n'est pas encore là. Il avait pas l'énergie, il a essayé de fou les tanks comme contrôle de balle. Il y a une tourelle à balancer, une tourelle qui était balancée, ça rajoute plus DPS, est-ce que c'est un DPS suffisant? Les VCS qui ont tellement attendu avant d'aller dans la fight et même qui n'y sont pas allés réellement au final, hein. Ils ont tapé sur une tourelle qui était quasiment morte. Donc oui, on va se faire nettoyer du côté de Maru. Et encore je dis ça, mais ok si ça va le faire parce que les VCS sont au contact du tank. Mais on a perdu 17 VCS, le lead d'upgrade, on n'a pas miné pendant très longtemps sur la B3. Oh là là. Oh merde, mais tu vas beaucoup trop vite Atsu, par contre il arrive à la queue le est-ce que c'est pas la boulette ici? On a les civils qui vont attaquer. Les tanks vont calme, c'est chaud. Est-ce qu'on a assez vraiment du côté de Maru? Le tank derrière quand même qui est en train de mettre du gros dégâts derrière. Ok, le Viking qui se pose au sol, qui a fait la diff. Mais non. C'est même pas, il s'est posé au sol en fait, il l'a mis en corbeau, en pélican, il l'a récupéré avec le Medivac, il a été le poser au contact avec son Medic. Il l'a mis en pélican. Il l'a mis en pélican, oui. Nice. Ok, bon à savoir. C'est l'appellation technique. L'appellation technique. Eh oui, appellation d'origine contrôlée, Viking pélican, c'est bien connu. C'est pour imager TKL. Seulement en Ardennes. Hein. Attention, ici, les tanks qui sont en train de se faire pilonner par des marines, mais qui pilonnent back et qui vont du coup nettoyer la position. Là, en fait, ce qui me chagrine, c'est que Maru, il a pris un lead de 32 pop et en fait, il éparpille son avance un peu comme tout à l'heure. En mode, j'ai 32 pop, ben, j'envoie des petits contingents d'unités. Oh. Mais pour profiter d'un 32 pop d'avance, en fait, pour regrouper ces 32 pop de plus en un seul endroit et taper fort avec. Et là, il s'éparpille un peu. Ouais, mais il a son 2-2 qui est en train de se terminer. Oui. Il a 32 pop. Oh non, enfin, 30, j'exagère, il a une dizaine de pop d'avance. Il a son 4ème CC qui est lancé. Donc, qui est CC. Mais la situation paraît dramatique hein, pour Bunny. Ben. Évidemment. Deux tourelles de détection pour Maru. Cette B4, ce lead de finalement bien des 30 d'avance. Hein, c'est validé. Ouais, bah là Maru qui est dans une grande forme dans cette game. Attention, il va peut-être pouvoir débarquer sur les tanks ici. Il a pris de court les marines de Bunny qui arrivent à la traîne. Les trois tanks qui sont fait attraper derrière le tank de Maru, lui qui s'est mis en mode siège, qui va commencer à disperser son dégât. Donc ouais, on se nettoyait du côté de Maru, mais en fait on a tapé avant d'avoir le 2-2. Je pense que s'il tapait avec le 2-2, il gagnait la fight. Ben hein. Ouais, il y a un côté en mode j'ai le lead, donc je continue à mettre du rythme, mais mettre du rythme de la manière dont il fait en envoyant des unités. Que, comment dire, genre soit tu fais un gros push frontal avec vraiment tout, soit tu fais du multifront, mais tu fais pas ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire tu les prends deux. Une partie de ta pop et tu vas attaquer à un seul endroit
et réattaquer à un seul endroit et un autre à un seul endroit. Et à chaque fois, en fait, Bunny il a la réception et finalement il s'en sort alors qu'il a 32 pop de retard. Oh, il retarde le doute droit. Mais il pourrait se faire intercepter. Ok, Bunny, comment on réagit du côté de Bunny? Les mains qui sont en train de remonter, qui sont en train de steamer. Est-ce qu'on a le focus ailleurs sur les Medivac? Non, on n'est pas en train de focus ailleurs, les Medivac. Mais on chope toutes les unités qui sont en train de se poser au sol. Est-ce que Maru n'a pas un peu trop ici? Tetrarect. Et il y a la contre-attaque de l'autre côté. Bunny qui va arriver, qui va choper le command center et tous les V16 qui sont en train de miner dessus. Le dégât qui est fait par le joueur bleu ici. Le dégât du Bunny, le lapin, la vengeance du civet en tant qu'il est en train de se faire ici. Est-ce que c'est réellement un dégât suffisant cependant? Les workers de Maru qui sont encore plus nombreux. Le CC qui tombe. Oui, il a pris. Les marines ils sont pas tombés, ils sont fait. Ah bah oui, ils se sont envolés. Ils sont fait un C'était, c'était des marines Peter Pan ceux-là. Quoi? Tu t'envoles. Non, Peter Pan. C'est ça l'air, non? Parce que ça avait pas l'air très mélodieux. Oula, tu me parais bien désagréable comme ça en ce samedi soir, mon cher Yogo. Quoi? Petite gorge. Ça, c'est pas parce que tu bois pas beaucoup. Non, c'est pas parce que tu dors pas beaucoup à cause du bébé qui fait ses dents que tu dois être désagréable, tu sais? Comment? C'est pas une raison. Ok, bon, Maru qui a quand même rendu une partie de son avantage, il est pas derrière non plus, hein. Il a son 2-2, il a un peu plus de pop armé, etc. Mais il avait un énorme lead. Ouais. Et maintenant il a un moins gros lead. C'est ça, il en a plus qu'un petit qui est tout de même intéressant. Mais s'il continue à s'empaler comme il le fait, en fait, il va finir par le donner complètement. Là il a siégé. Voilà. On l'a forcé à siéger très loin, donc ça laisse le temps à Bunny de se réinstaller. Il y avait cette histoire de la quatrième base qui du coup est à l'avantage de Bunny. Bien qu'il la pose après, c'est une vraie quatrième base. Celle-là, c'est la base principale de Maru. Donc ouais, il y a des choses qui vont quand même en la faveur du joueur de chez Dust Gaming. Alors en fait, tu sais pas, il essaie de créer le... Enfin comme je disais, pour pouvoir prendre de vitesse quelqu'un, il faut initier la course. Et c'est ce que fait Maru depuis tout à l'heure. Il court. Alors... Mais pour l'instant, à chaque fois, il se plante. Mais Maru il a quand même une tendance à mettre des bâtons dans les roues de ses adversaires pendant qu'il court. Attention ici, l'engagement 4 prix, mais c'est un peu sloppy de la part de Maru. Ça s'est étendu par le pouvoir pur des nombres. On est peut-être en train de le faire. La colonne de tank ici qui est quand même en train de réceptionner les marines de Maru. C'est compliqué à dire ça. Et derrière la colonne de tank de Maru, elle qui a été parfaitement intouchée et qui va pouvoir se mettre en mode siège au-dessus de la B4. Maintenant il faut se débarrasser à minima des marines. Lol. Pour pouvoir juste abuser du peu de mobilité des tanks en faisant. Je vois rien ce qui se passe. C'est ça, c'est incompréhensible. GG. C'est le feu d'artifice quoi. Incompréhensible, il y avait tellement de cadavres de marines. Ouais, qui volent. Que j'étais. Mais qu'est-ce qui est en train de gagner cette fight? Je n'en ai pas la moindre idée. Voilà. Oh, ok. Quelle belle idée de mettre la gravité entre guillemets inversée. Bon, surtout, tu peux dire qu'un bout de bois remonte à la surface, mais un. Voilà, des carcasses en métal, j'ai un peu du mal à y croire. Ça dépend de la planète sur laquelle t'es. Imagine, c'est une planète en très très low gravité. Genre, c'est une planète qui est petite, du coup la gravité est faible dessus, et en plus c'est dans l'eau. Donc non seulement la gravité est faible, mais en plus elle est quasiment 6 fois plus faible par le fait d'être dans l'eau. Mind blown. Ouais, parce que même les bouts de colosse qui s'envolent, bon tu m'excuses. Non, mais là c'est pas un problème de gravité, c'est un problème de densité. Que quelquefois, quelle que soit en fait la gravité sur laquelle t'es, il faut que la matière soit moins dense que l'eau pour remonter. Okay. Parce que l'eau est influencée de la même manière que l'objet d'Archimède, par ça, la gravité. Donc en fait c'est la densité qui fait que ça remonte. C'est pas le truc d'Archimède ça? Je pose la question. J'affirme rien, tu vois. Non mais tu sais, c'était pas le truc de la plongée dans l'eau, la poussée d'Archimède, merci. C'est pas ça? La poussée d'Archimède, non, c'est quand t'as un volume d'eau, tu mets un volume dans un autre volume, tu déplaces la même quantité de volume que celui que t'as placé dedans, je crois. D'accord. Ça peut pas être expliqué comme ça, mais c'est ça le principe. Donc, bah, non, ton début d'année de fac en physique se montre, effectivement. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. En tous les cas, Maru, qui se sera posé. Oui. T'as pensé que les Suisses parlaient flamand? Ferme là. Ferme. La game est finie du coup. On va retourner sur SOS, c'est ce qui nous importe. SOS. Et avant. Quand même, faut rappeler que la semaine prochaine, avant qu'on l'antenne, la semaine prochaine, International Clash. Underdog Continental Clash, de son vrai nom. Voilà, on s'est dit qu'on allait faire un petit tournoi. Parce que les IEM arrivent, mais avant les IEM, il faut qu'on fasse bien des choses. Donc voilà, petit tournoi, mardi, mercredi et vendredi. On prend la crème de la scène NA. On avait peur de ne pas avoir Nib, mais finalement on l'a. Donc on a Nib, Keledur, Major et Massa. On va faire taper à deux Français, Deshi, DNS et deux autres Européens, Showtime et Laser. Voilà. Tout à fait. Donc ça va être solide, on organise ça. On a un petit article pour vous parler un peu de ce que c'est. Si je peux nous montrer ça, mon cher Jack.
fait sur le site OGaming, bien évidemment, je crois, par le grand Perco lui-même, c'est ça. Donc voilà. Et voilà. Imaginons, je ne sais pas comment aller sur le site OGaming. Quelle est l'adresse, Hugo, pour aller ici? OGaming.tv. Alors, il n'y a pas d'accent, parce que dans une barre de recherche, tu ne peux pas. Et dans l'onglet News, du coup. Donc, voilà. Voilà, ou sur, je suis sur la main page, en fait. On est sur la main page, magnifique. Principale. Et du coup, vous aurez toutes les informations, vous aurez même les commentaires, voilà, de Puissance DBZ, voilà, qui a parlé avec Perco et bien sûr Montrante. Hein, salutations à ses rédacteurs. Tandis qu'on a un autre rédacteur, bien sûr le moins bon de tous, qui est là, Zéhir. Beaucoup d'amour à lui aussi. Je prends le micro tout à l'heure. Mais donne un micro pour que tu te venges. Évidemment. Et voilà, du coup, ça se déroulera dès la semaine prochaine, à partir de mardi. Donc voilà, connectez-vous sur vos internets, mais surtout ne vous déconnectez pas de vos internets, parce que la GSL, ce n'est pas fini non plus. Ce n'était que le deuxième match de la soirée. Il y en aura encore trois. Et bien sûr, est-ce que les cadavres qui remontent sur Abyssal Reef sont contraires à la poussée d'Archimède? Attaque au GS2. N'hésitez pas. Là, pour réviser nos bases, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour réviser les bases, il faut déjà les avoir, Yogo. Ça, c'est bien dit. Et vous ne pouvez pas réviser vos bases si vous n'en avez pas. Voilà. Et tout ça pour dire qu'on va en pub et on enchaîne avec un PVT. Tout de suite.